Bon, l'une des questions qui m'a été posée, ou une des portions que je sais que ça a été plutôt difficile à comprendre, c'est la façon dont les protéines se replient sur elles-mêmes. Alors, je ne pense pas que le problème, c'était autant de comprendre comment les protéines se replient d'elles-mêmes sur elles-mêmes, mais plutôt de comprendre les deux diapositives que je vais vous montrer aujourd'hui. En fait, je vais en montrer plus que deux, mais je vais me concentrer surtout sur la diapositive numéro 17 et numéro 18 de la semaine 2. Et la raison pour laquelle je me concentre sur ces deux diapositives-là, c'est parce que vous m'avez dit que ces deux diapositives-là vous donnaient plus de fil à retordre que les autres. Ou enfin, que les concepts expliqués dans ces deux diapositives-là étaient peut-être un petit peu plus complexes, un peu plus difficiles. En fait, ça n'est pas difficile. Je veux simplement vous montrer ici que le repliement d'une protéine se fait de façon séquentielle, c'est-à-dire que, numéro un, ça ne se fait pas au hasard. Le repliement d'une protéine se fait de façon séquentielle en obéissant aux lois de l'entropie, aux lois de la thermodynamique. Et l'une des lois de la thermodynamique dit que tout système tend vers un maximum d'entropie, c'est-à-dire un minimum d'énergie interne. C'est ça que ça veut dire. Alors, toute structure, si complexe qu'elle soit, va éventuellement se diriger vers un état qui lui permet d'avoir un minimum d'énergie interne. Alors, par exemple, imaginez un château de cartes. Un château de cartes, il n'y a rien de plus instable que ça. Vous montez votre château de cartes et à un moment donné, en ajoutant des couches les unes sur les autres, vous comprenez que le moindre petit courant d'air, mouvement d'oxygène à l'entour des cartes va amener le château de cartes à s'effondrer sur lui-même. Est-ce qu'un château de cartes, c'est stable? Non. Est-ce que les cartes qui sont tombées après qu'un coup de vent a fait tomber toutes les cartes du château de cartes, est-ce que ça, c'est stable? Oui. Très stable. Ça va rester comme ça pendant des années si on n'y touche pas. Hein, ça va rester comme ça, même ça va rester par terre, éparpillé. Et ça démontre que c'est un niveau d'énergie qui est très bas. Alors, c'est la même chose pour les protéines. Maintenant, la chose qui est importante à comprendre, c'est que quand on parle des protéines, eh bien, les protéines vont adopter certaines structures. Et ces certaines structures-là, ben, de façon interne et de façon intrinsèque, ont un certain niveau d'énergie à l'intérieur. Après tout, elles ont été formées en utilisant de l'ATP, donc il y a une certaine portion d'énergie qui a été injectée à l'intérieur de la formation de ces protéines-là. Là, je dis bien sûr injecter, j'utilise le mot injecter de façon très libérale, en espérant que vous compreniez ce que je veux dire. Donc, que je veux démontrer ici, c'est en fait que les protéines ont des structures qui sont bien sûr secondaires, n'est-ce pas? On connaît que les protéines ont des structures secondaires, on sait qu'il y a les hélices alpha, on sait qu'il y a les feuillets bêta aussi. Et ces structures-là forment des agencements dans l'espace. Alors, on regarde ici cette structure-là. Ici, on a une structure en hélice alpha, on en a une autre ici. Maintenant, ce qui est important de comprendre ici, c'est que le niveau de la protéine à l'état natif, c'est-à-dire une protéine qui a toutes ses fonctions, qui est repliée correctement, a un niveau d'énergie interne qui est inférieur à toutes les autres conformations possibles. Okay? On essaie le plus possible, et c'est pas un, on essaie, c'est que on respecte les lois de la thermodynamique, et ça s'applique aussi aux protéines. Donc, ce qu'on voit ici, en haut, ici, ici, ici et ici, ce sont des intermédiaires, vous voyez là, le mot intermédiaire, ce sont des intermédiaires de repliement, c'est-à-dire que les acides aminés forment des structures et ces structures-là sont dynamiques, vont changer en fonction du temps,
en fonction de l'environnement et vont s'adapter à un niveau inférieur d'énergie. Alors, on va passer d'un niveau d'énergie à un autre pour un état plus stable. Vous voyez là, le niveau d'énergie le plus bas, c'est celui qui représente l'état natif. Alors, tout ça ici se fait de façon séquentielle et ça, ça prend un certain temps avant d'atteindre la conformation native. Bon, un certain temps, ça ne prend pas des années, ça ne prend pas des semaines, ça ne prend même pas des secondes, ça prend des microsecondes. Tous ces agencements-là engendrent un autre agencement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un agencement particulier, un certain repliement, favorise un autre repliement, qui favorise un autre repliement, qui favorise un autre repliement. Et avec l'addition de tous ces repliements-là, à un moment donné, on forme la protéine qui est la plus stable possible, qui contient un niveau d'énergie interne minimum. Minimum. La plus stable. Alors, on part d'un intermédiaire qui est, instable, forme des hélices, donc on le voit ici, et il y a des petits agencements intramoléculaires à l'intérieur même de ces molécules-là qui vont apporter certains changements, comme des dominos un peu, hein, qui tombent les uns sur les autres. Et finalement, ceci amène une conformation qui est relativement stable dans l'espace et dans l'environnement dans lequel cette protéine-là va baigner. OK? Bon. Ce parcours de repliement-là se fait jusqu'à un certain point au hasard. C'est-à-dire que notre structure primaire qu'on voit ici, le fil, peut emprunter divers chemins pour se rendre à, finalement, l'état natif. Quand on dit « tous les chemins mènent à Rome », ben c'est un peu ça ici. Et il y a divers chemins, divers parcours qui mènent à cet état natif-là. Maintenant, tout ça ici sont des possibilités. Ces parcours-là sont des possibilités qui peuvent mener éventuellement à la protéine native. Certains de ces parcours-là, OK, donc si j'efface tout ça ici parce que ça commence à être un petit peu encombrant, alors certains de ces parcours-là sont plus favorables et plus faciles à suivre que d'autres. Comme par exemple, si on suit celui-ci, regardez-moi ça ici, là, donc on a le côté, la protéine qui est à l'état de structure primaire, et là, on adopte une certaine forme, et cette certaine forme-là, donc oublions celui-là, regardons un peu plus complexe, gardons celui-ci, donc on a notre structure primaire ici, et ça mène à une forme qui peut, d'une façon ou d'une autre, se diriger vers deux états, OK? Un ou l'autre. Bon, un est peut-être un peu plus stable que l'autre, mais bon, c'est possible. Et cet état-là peut mener à un autre état qui peut mener à un autre état. Vous voyez qu'il y a des chemins des parcours qui peuvent être suivis qui sont beaucoup plus complexes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont impossibles, ça veut juste dire qu'ils sont plus complexes. Alors, la complexité ici, ben, je pense que dans la nature, habituellement, et là, peut-être que quelqu'un pourrait éventuellement me contredire là-dessus, j'invite la discussion, c'est que je pense que la nature favorise des conformations qui sont plus stables plus rapidement. Donc, des chemins, des parcours qui sont beaucoup, beaucoup moins compliqués. Moins compliqués. Alors, comment ça se fait tout ça? Comment tout ça est-ce possible? Ben, première des choses, il faut comprendre qu'il y a des forces qui agissent
sur les structures protéiques, les structures primaires, secondaires, et en particulier les liaisons hydrogènes. Alors, on sait que les liaisons hydrogènes peuvent se former. On sait que les acides aminés, dans un certain repliement possible, soit l'hélice alpha ou le feuillet bêta, peuvent facilement former des liaisons hydrogènes. Et ces liaisons hydrogènes-là stabilisent la structure. La beauté des liaisons hydrogènes, c'est que, premièrement, bien que ces liaisons hydrogènes-là soient, en tant que telles, une liaison hydrogène ne soit pas super solide, ces liaisons-là, quand on en ajoute une autre, et une autre, et une autre, et des milliers de liaisons hydrogènes, bien éventuellement, la structure devient assez bien stabilisée. L'autre chose qui est intéressante à propos des liaisons hydrogènes, c'est qu'elles sont coopératives. Qu'est-ce que ça veut dire, coopérative? Ça veut dire qu'une liaison hydrogène va aider une autre liaison hydrogène à se former, et ces deux liaisons hydrogènes-là vont rendre la troisième liaison hydrogène encore plus facile à se former. Et là, on peut continuer de cette façon-là en complexifiant notre protéine et en comprenant que chacune des liaisons hydrogènes a un rôle à jouer sur le repliement total de la protéine. Plus on a de liaisons hydrogènes, plus c'est facile de replier. À l'inverse, si on enlève une liaison hydrogène, ben notre structure, elle est moins solide. Si on enlève deux, ben notre structure est encore moins solide que la somme des deux. C'est-à-dire que plus on enlève de liaisons hydrogènes, plus c'est facile de retourner vers un état qui est moins stable. Okay? Donc, les liaisons hydrogènes, ça compte énormément. Une autre chose qui est vraiment importante à réaliser ici, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle un effet hydrophobe. Certains acides aminés, de par leur groupement R, sont plus hydrophobes que d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont polaires, chargés, polaires, non chargés et non polaires. Les acides aminés qui sont non polaires sont des acides aminés qui sont considérés hydrophobes, c'est-à-dire qu'ils n'interagissent pas avec la molécule d'eau. Bon, ça là, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Hydrophobie, la phobie, la peur de l'eau. Ben, croyez-moi, les acides aminés n'ont peur de rien parce qu'ils ne peuvent pas avoir peur de quelque chose. Ce qui est important à comprendre, c'est que les acides aminés, s'ils ne réagissent pas avec l'eau, s'ils n'interagissent pas avec l'eau, l'eau, elle, va interagir avec elle-même. Les molécules d'eau vont interagir avec elles-mêmes. Pourquoi? Bien parce qu'elles peuvent former des formations des liens hydrogènes qui sont assez solides. Donc, l'eau s'organise dans une certaine structure. Pourquoi? Bien tout simplement de façon à diminuer l'état énergétique du système au complet. Encore une fois, on se dirige vers un maximum d'entropie. Donc, si j'ai des acides aminés non polaires qui n'interagissent pas bien avec l'eau, en fait, l'eau préfère interagir avec elle-même qu'interagir avec ces acides aminés-là. Qu'est-ce qui se passe avec ces acides aminés-là? Ben, ils vont se replier sur eux-mêmes. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une force qui agit? Non, ce n'est pas une force. La force, il y a force hydrophobe, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si l'eau s'organise avec elle-même pour interagir entre elles, les molécules, parce qu'elles ne peuvent pas interagir avec la région hydrophobe, la région hydrophobe elle-même, qui est comprise et qui est formée de plusieurs acides aminés hydrophobes, mais de façon à minimiser son état énergétique, va se replier sur elle-même. C'est ce qu'on appelle l'effondrement hydrophobe. Okay? L'effondrement hydrophobe va faire en sorte que l'intérieur d'une structure protéique, comme ça ici, donc j'essaie de créer une région interne, et l'intérieur de cette région protéique-là est normalement formée d'une plus grande concentration d'acides aminés hydrophobes ou non polaires. Pourquoi? Parce que, en voulant diminuer son état énergétique, les acides aminés non polaires interagissent avec eux-mêmes et forment ce qu'on appelle une poche hydrophobe à l'intérieur de la molécule.
Ben ça là, cette poche hydrophobe-là va contribuer au repliement de la protéine. Et c'est l'effondrement hydrophobe, c'est l'une des premières choses qui va dicter la structure, la formation d'une protéine, donc le repliement des structures sur elles-mêmes pour former ce qu'on appelle la structure tertiaire. La structure tertiaire, c'est le repliement des structures secondaires sur elles-mêmes, influencé par l'effondrement hydrophobe d'une protéine.